Je m'attendais pas à ça. Voilà. Très bien. Voilà. Et du coup, oui, qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance de ce soir? Est-ce qu'il y a des nouvelles rencontres qui ont été faites? Ah, oui, beaucoup. Oui. Oui. Il y avait plus de monde. Voilà. Et du coup, non, une question importante, est-ce que vous allez revoir quand même? Ça, c'est ah oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la question. J'ai des nouvelles coordonnées quand vous avez échangé les dimanche, il y a une sortie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a quand il y a une sortie? Pique-nique randonnée. Et puis peut-être. Peut-être randonnée. Fête de la musique. Peut-être fête de la musique à Loche, jeudi prochain. Voilà, voilà, pas de problème. Et là, ça, on va aller manger quelques classes. Voilà, vous avez raison. Ensemble. Il y aura peut-être aussi des guinguettes, des sorties guinguettes. Ah oui, oui. Ah bah oui. Guinguettes aussi, le dimanche. Peut-être. Ouais. Sorties guinguettes sur le bord de Loire. Au bord de Loire, là-bas. Et pourquoi vous vous êtes inscrit sur Quintonique? Parce qu'on s'est retrouvé curieux dans notre vie. Et puis, moi, j'ai changé de département. Je me suis retrouvée toute seule. Et donc, j'ai dit bon. Et puis, on s'est jeté à l'eau. On s'est jeté à l'eau, voilà. Et j'ai reçu la publicité sur Internet. Oui, on s'y allait. Et puis je ne regrette pas parce qu'on n'a fait que deux rencontres pour l'instant. C'est la deuxième. Pour se faire des amis, parce que moi ça fait que quelques années que je suis là. Je n'ai pas vraiment d'occasion de faire des rencontres, je ne travaille pas. Mais c'est ça, c'est qu'on est à la retraite de l'homme, mais seul et à la retraite. Ouais. Pour rencontrer des gens, bah, évidemment, ça c'est un site qui permet justement d'élargir son cercle d'amis, de faire de nouvelles connaissances. Voilà, de se faire un cercle d'amis. Et ils pourraient être organisés et on peut nous-mêmes organiser des sorties. Oui, ça c'est le principe surtout. Oui. Donc ça c'est bien parce qu'on peut participer aux sorties qui sont organisées et en organiser soi-même aussi, faire partie de